Et on va finir avec la lumière du verre. Et on va retrouver Dolorès à Pélussin pour le soufflage du verre, cette très belle technique, Dolorès. Alors Alain, moi je ne vous entends plus hein, dans l'oreillette, mais je sais que depuis le début de l'émission, vous n'avez qu'une hâte, c'est de me voir souffler du verre. Alors, je vais accéder à votre demande, hein, vous allez voir. C'est une technique compliquée, hein, Florence nous a montré tout à l'heure. Elle va quand même me prêter, alors c'est pas la canne, hein, comme on disait, c'est le... Une petite paille. Une petite paille, une sorte de mandrin, un petit peu plus gros. Donc, le verre est à bonne température, il faut que je souffle. Et je tourne en même temps. Ça, je vais vous aider à tourner et vous souffler. Allez-y. Allez-y, ça vient. Allez-y. Et ben voilà, c'est parfait. Stop, 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 stop. Oups. Je vais la faire éclater. J'ai réussi. Ah, ben c'était ouais, pas évident. Magnifique. Ah, merci. Elle est belle. Ah bah bravo. Alors, c'est ma première expérience réussie. Je suis ravie. Merci, Florence. Ben voilà. On va la mettre au four. Moi, je vais me déplacer pendant qu'on range un petit peu tout ça. Et vous avez vu, une première création comme ça, c'est spectaculaire. Mais simplement, je voulais vous dire, Alain, ici, dans cet atelier de Pélussin, avec Florence, eh ben, on a découvert cette magie du verre. On a vu que tout était un petit peu compliqué, hein, qu'on n'apprenait pas ce métier en quelques heures. Alors... Ici, on va présenter pendant jusqu'à Noël, on va dire, d'autres artisans qui travaillent à côté de vous, à Pélussin. Voilà, à Pélussin et autour. Du coup, j'ai trois amis qui travaillent le verre qui exposent avec moi. D'accord. Aurélie. Des créations ici. Voilà. On va les montrer. Des boules de Noël, des créations des vases. D'accord. J'ai une amie céramiste, Frédéric Hérault, qui est sur Saint-Étienne, qui fait des... toute la céramique qui est exposée là, et puis ailleurs dans l'atelier. Vous avez une collègue feutrière aussi, qui fait des choses intéressantes. Qui est sur Pélussin, elle, et qui fait du feutre, des accessoires textiles en feutre. Alors ça veut dire qu'on va pouvoir venir à la boutique, acheter des créations, peut-être pas s'initier, hein, parce que c'est compliqué. Non, tu peux faire des démonstrations sur demande, par contre l'initiation c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Hein. Alors Florence, moi j'avais une dernière question, mais on n'a pas beaucoup de femmes dans ce métier de verrier. C'est un métier compliqué, c'est un métier assez rude. C'est un métier qui est difficile, qui est long à apprendre. Après, justement, je trouve qu'il y a plus en plus de femmes qui font ce métier et ça apporte une note de légèreté et de poésie dans ce métier. Alors, merci de nous avoir reçus à l'atelier. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Moi, j'ai appris une nouvelle technique. Mais je voudrais, avant qu'on se sépare, qu'on revienne un petit peu sur ce lustre magnifique qui vous a valu un prix et qui nécessite quand même... Plusieurs techniques différentes. Techniques, le verre soufflé au chalumeau, le verre soufflé à la canne. Et puis, il y a aussi un temps d'assemblage qui est assez conséquent sur ce genre de pièces. Bon, voilà. Merci beaucoup, Florence. Merci à vous. Et puis, je reviendrai prendre un petit cours. Hein. Je m'en sortais pas mal, hein, quand même. Avec grand plaisir. Merci, Florence. Voilà, Alain, ce qu'on pouvait dire sur ce magnifique métier de verrier d'art. Et en tout cas, je vous invite à venir essayer, vous aussi. Hein. Vous pensiez que je n'y arriverais pas, mais si. On se trompe, hein, parfois. Si, j'étais persuadée que vous y arriviez. Verriez, pardon.